Bonjour tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale que je ne pensais pas réaliser un jour sur Demos Kratos. Mais j'ai décidé d'arrêter d'être vegan parce que c'est pour moi devenu assez incohérent. Je sais que ça vous choque un peu. J'ai des raisons et j'aimerais vous les exposer et qu'on en débatte ensuite dans les commentaires si vous voulez. Mais voilà, une vidéo un peu improvisée où j'ai envie de vous parler de ça. Ce cheminement de pensée, il arrive après la vidéo de la semaine dernière dans laquelle on avait critiqué la démocratie de marché, c'est-à-dire un système politique dans lequel les consommateurs organisent la société au travers de leur consommation. Et le véganisme, bah, ça rentre pile poil dans ce schéma qu'on avait critiqué. Parce que voilà, on boycotte les produits d'origine animale, on achète des produits d'origine végétale, enfin voilà, on essaye de changer le monde en changeant notre consommation. Et voilà, on consomme, on consomme, on consomme, et ça fait pas peur au capitalisme, ça. Parce que il vous vend les mêmes merdes, il met juste un logo vegan, et hop, ça change rien au système. Je dis pas que j'ai pas mangé des bonnes choses, hein, il y avait des produits excellents. En tant que vegan, c'est un mode de vie qui se tient, enfin bref, mais Paul Ariès avait raison dans un sens quand il disait que les végans alimentaient le capitalisme. Si Bill Gates investit autant d'argent dans les produits véganes, c'est qu'il a un intérêt économique. Et moi, je ne veux pas de ce système-là. Donc j'arrête. J'arrête d'être végane, de vouloir changer le monde au travers de mon mode de vie individuel. Et je deviens antispéciste, parce qu'on ne changera pas le monde en ne mangeant que des graines. Donc voilà, j'ai décidé de ne plus me revendiquer comme vegan, parce que c'est un mode de vie individuel et qu'on n'est pas des putains de colibris. Et donc si on veut changer la société avec tout le monde en même temps, il faut un projet politique, et ça s'appelle l'antispécisme. Mais c'est quoi le spécisme? Le philosophe australien Peter Singer écrit dans son livre La libération animale: les racistes violent le principe d'égalité en donnant un plus grand poids aux intérêts des membres de leur propre race quand un conflit existe entre ces intérêts et ceux des membres d'une autre race. Les sexistes violent le principe d'égalité en privilégiant les intérêts des membres de leur propre sexe. De façon similaire, les spécistes permettent aux intérêts des membres de leur propre espèce de prévaloir sur les intérêts supérieurs des membres d'autres espèces. Le schéma est le même dans chaque cas. Comme Peter Singer l'explique, le terme de spécisme se construit de la même manière que racisme ou sexisme. Bien évidemment, c'est pas la même chose. Et si cette comparaison vous choque, je vous invite à aller voir la vidéo de JM2 sur le sujet, elle est très intéressante. L'antispécisme, c'est un projet politique dans lequel on considère que l'espèce à laquelle appartient un animal n'est pas un critère pertinent pour décider de la manière dont on va le traiter. Quand je dis projet politique, je veux dire qu'à la différence du véganisme, il ne s'agit pas uniquement de se changer soi. Il s'agit de changer les règles qui régissent nos rapports avec les autres êtres vivants. La théorie, c'est que la vie d'un animal non humain a autant de valeur que la vie d'un animal humain. Si on peut vivre sans avoir besoin de tuer des animaux, eh bien il n'y a aucune raison éthique de continuer à le faire. Bien évidemment, cette théorie, elle ne s'applique pas si tu tombes sur une île déserte et que tu n'as rien d'autre à manger qu'un peu de tes cochons. Là, il s'agit de ta survie. Tu vas très certainement manger le petit cochon. Voilà. Mais là, on n'est pas sur une île déserte, donc pas besoin de tuer le petit cochon. Bref, revenons à l'antispécisme. On va parler de la grande campagne que les militants antispécistes sont en train de mener actuellement, c'est-à-dire interdire l'exploitation des animaux dans les cirques. Les militants antispécistes ont compris qu'on ne pouvait pas changer la société uniquement en sensibilisant les individus qui la composent. Ça passe aussi par des lois et des institutions qui créent un nouveau cadre propice à ce changement. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre moyen de se divertir que de faire souffrir des êtres vivants capables de ressentir une souffrance physique et morale? Des centaines de mairies en France ont déjà interdit les cirques avec animaux sauvages. Oui, on en est encore à faire une distinction entre animaux sauvages et animaux domestiques. Parce que exploiter un tigre pour amuser la galerie, bon, c'est pas très éthique, mais exploiter des chevaux ou des chiens, ça va, ok. Encore une fois, cette différence de droit entre les espèces n'a pas lieu d'être. Pour revenir avec mes gros concepts, il faut passer de la démocratie de marché à la démocratie d'État. Mais bon, j'admets que c'est peut-être plus stratégique de d'abord lutter pour sauver les animaux sauvages et ensuite, plus tard, les animaux domestiques. Mais c'est démocratique, ça? De quoi? Bah, que les antispécistes veulent imposer leur vision du monde aux autres. Bah, c'est quoi la démocratie? C'est le demos kratos, le pouvoir au peuple. Mais en fonction de qui t'intègre dans le peuple, bah, ça change tout.
Essayons de sortir de cette vision anthropocentrique du peuple. Le peuple pourrait très bien être constitué de l'ensemble des êtres vivants. Et tu veux donner le droit de vote aux moutons, c'est ça? Mais non, pas aux moutons. Ils seraient encore capables de voter pour Emmanuel Macron. C'est un peu spéciste comme blague, ça, non? Là, on part plus loin que l'antispécisme. On va parler de l'animalisme. L'animalisme, c'est l'idée que les animaux, même non humains, doivent avoir des droits. En 1976, dans l'article L214 du Code rural, les animaux sont pour la première fois désignés en tant qu'êtres sensibles. Et en 2015, c'est dans le Code civil français qu'on reconnaît cette fois-ci que les animaux sont des êtres doués de sensibilité. Bon, à force, maintenant qu'on sait qu'ils peuvent ressentir de la douleur, est-ce qu'on ne devrait pas au moins leur donner le droit de ne pas souffrir? Bien évidemment, on ne va pas donner les mêmes droits à une poule et à un humain. Il s'agira d'attribuer à chaque individu des droits en fonction de ses intérêts. Bon, je pense qu'à ce moment-là de la vidéo, j'ai déjà perdu une grande partie d'entre vous et que les derniers qui restent sont en train de se dire que c'est bien joli, mais c'est très utopique. Eh ben pas du tout, Benjamin! Bah ouais, mais depuis 2016, en France, on a un parti animaliste. C'est-à-dire un parti qui agit uniquement pour défendre le droit des animaux. Et ils se sont présentés aux élections législatives de 2017. On a aussi un autre mouvement qui s'appelle le REV, le Rassemblement des écologistes pour le vivant, qui eux poussent un peu plus loin la réflexion autour du projet de l'écologie politique. Et les deux partis mouvements là, eh ben, ils essayent de se présenter pour les élections européennes de 2019. Bon, bien évidemment, pour l'instant, ils n'ont aucun député. Mais c'est normal, on est en France, hein. Et on est largement à la ramasse sur tout ce qui concerne l'antispécisme et le droit animal en général. Mais heureusement pour moi, j'ai eu la chance d'étudier à Amsterdam, où vous avez le siège du Parti voor de Dieren. C'est le parti pour les animaux, qui a été créé quand même en 2002. Leur objectif, c'est pas d'être majoritaire, mais d'imposer le sujet du droit animal dans la vie politique néerlandaise. Avec près de 20 000 membres et 335 000 voix recueillies aux législatives de 2017, sur 13 millions d'inscrits, ils obligent les autres partis à se préoccuper de la question des animaux non humains. Et aujourd'hui, ce parti a 5 députés sur 150 au Parlement néerlandais. Ça veut quand même dire que proportionnellement, ils ont plus de poids que le groupe de la France Insoumise chez nous. Pour revenir sur l'animalisme, aujourd'hui on a carrément des avocats et des professeurs qui sont spécialisés dans le droit des animaux. Quand j'étais à Amsterdam, j'ai eu la chance de suivre un cours d'Animal Studies, donc études du droit des animaux quoi, qui était enseigné depuis plus de 10 ans. Oui, on a du retard en France, parce que nous ça vient juste d'arriver. En conclusion, les antispécistes et les animalistes sont bien évidemment véganes, parce que c'est plutôt compliqué de dire qu'il ne faut pas faire souffrir inutilement les animaux non humains tout en mangeant un steak. Il ne faut pas faire souffrir inutilement les animaux non humains. Vous voyez, ça marche beaucoup mieux avec un brocoli. J'espère que vous comprenez mieux pourquoi certains véganes sont chiants, parce qu'ils imposent leur mode de vie, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de la vie des animaux. Si vous êtes contre le racisme, pourriez-vous vivre dans un monde où l'esclavage des Noirs existe toujours et ne rien dire? Si vous êtes contre le sexisme, pourriez-vous vivre dans un monde où les femmes n'ont toujours pas le droit de vote et rester silencieux? Ça ne se résume bien évidemment pas qu'à ça, mais si vous êtes contre le spécisme, vous ne pouvez tout simplement pas vivre dans un monde qui tue plus de 1000 milliards d'animaux non humains par an et ne rien faire. C'est juste impossible. Alors certains se disent qu'on pourrait manger moins de viande, mais d'une meilleure qualité, qu'on pourrait élever et tuer les animaux dans des bonnes conditions. Ça, c'est la position welfariste. Mais est-ce qu'on peut tuer éthiquement un animal qui ne veut pas mourir, simplement pour notre plaisir? L'antispécisme, ce n'est pas négocier les conditions de l'esclavage. C'est abolir l'esclavage. Je pense que nous devons apprendre à dépasser le cadre de l'individu et de ce qu'il a dans son assiette. Nous devons penser au collectif et proposer un véritable projet politique. Militons pour le droit de tous les animaux, quelle que soit leur espèce, leurs origines ou leur sexe. Ce que je vous propose sur cette chaîne, c'est bien évidemment de prendre le kratos, mais c'est aussi et surtout d'élargir le démos. Pour ce projet global de l'écologie politique, je vous invite à aller voir la conférence que j'avais faite à Grenoble, où j'ai beaucoup plus développé ce sujet, beaucoup plus en tout cas que cette vidéo qui avait plus vocation à vous introduire à ces quelques concepts. Si vous êtes déjà vegan et que vous voulez aller au-delà de la démarche individuelle, je vous invite vraiment à utiliser les termes d'antispécisme et d'animalisme qui renvoient beaucoup plus à des projets politiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu malgré ce petit titre putaclic et cette mise en scène au début. Mais on a parlé de choses très importantes, donc je vous invite à partager la vidéo un maximum, à débattre dans les commentaires et à soutenir notre indépendance financière sur Tipeee. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.